Bonjour à tous. Je vais vous proposer un rituel pour communiquer avec vos guides. Dans un premier temps, donc, vous devez avoir une bougie blanche, d'accord? Savoir quel est votre ange gardien. Si vous ne savez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire appel à vos ancêtres, mais bien dire que c'est les ancêtres donc de lumière qui vous accompagnent. Et vous allez faire pendant 7 jours d'affilée, allumer donc une bougie blanche. Il vous faut 7 jours. Si c'est un ange que vous savez, votre ange gardien, donc comment savoir son ange gardien? Il faut savoir la date de naissance, votre jour de naissance, le mois, l'année, et vous allez donc chercher sur Internet, par rapport à votre signe astrologique, qui est votre ange de garde. Donc, vous allumez cette bougie. Dans un premier temps, vous allez le présenter aux 4 points cardinaux en disant Yod et Vav et en haut, derrière vous, Yod et Vav et à droite, Yod et Vav et l'autre côté, Yod et Vav et ici, Yod et Vav et en bas, Yod et Vav et. Et là, vous dites, vous prenez bien votre bougie comme si. Moi, un tel, je demande à ce que mon ange gardien se manifeste dans mes rêves, qu'il me parle, qu'il me conduit vers la lumière, car je désire m'entretenir avec lui ou votre guide. Moi, un tel, je souhaite rentrer en contact avec mon guide. Et là, une fois que vous avez fait ça, donc vous allez prendre de préférence une allumette. Vous allez allumer votre bougie et vous dites avant de l'allumer, avant de faire craquer l'allumette, que la lumière fût. Et vous allez allumer et vous allez poser donc votre bougie en sécurité, bien sûr, sur quelque chose, un socle qui tient bien. Et vous le laissez se consumer, se consumer, se consumer. Voilà. Si votre bougie ne se consume pas, ça veut dire que l'endroit où vous êtes ou vous-même, vous n'êtes pas pur. Comme je vous ai dit, à chaque fois qu'on fait un rituel, il faut se purifier. Vous avez dans les autres vidéos comment se purifier. Donc, vous faites ça et demandez bien pour ne pas avoir peur que votre guide vous vienne dans les rêves. Ça peut être votre grand-mère, ça peut être un ange, ça peut être je ne sais pas qui, mais vous allez avoir une réponse. Voilà, c'était Monique du Centre de médecine douce. À très vite. Au revoir.